Bonsoir. Ok, je viens devant ma caméra ce soir pour vous dire bonsoir. Bonsoir, chers frères. Bonsoir, chères sœurs. Bonsoir, la Côte d'Ivoire. Bonsoir, tout le monde dans le monde entier. Bonsoir, tous les Africains. Me voici devant ma caméra ce soir. J'ai fini le travail. Je suis rentré chez moi, je me suis mis devant ma, je me mets devant cette caméra pour dire quelque chose à quelqu'un qui se reconnaît, qui va se reconnaître dans mes paroles. Ok. Déjà, Johnny Pacheco, je te dis bonsoir. Et puis, tu sais, ce qui t'arrive, c'est pas quelque chose qui est bien. Je l'avais mis dans une de mes vidéos sur YouTube, que vous les Ivoiriens, vous êtes là vous pour vous dénigrer, vous vous dénigrez sur l'internet, c'est pas bien. Aujourd'hui, ils sont rentrés dans ta famille. Mais il y a une chose qu'ils ne savent pas, c'est que avant de dire la chose qu'ils ne savent pas, toi, Johnny Pacheco, je ne me sens pas un peu bien, j'ai attrapé, je suis grippé. Toi, Johnny Pacheco, déjà, je vais te dire une chose. Quand tu es une personne comme ça, et que tu défends la cause de l'Afrique, avec tout ce que tu fais là, normalement, tu dois chaque jour fouiller sur les réseaux sociaux pour savoir qui te parle et qui ne te parle pas. Ça, déjà, il faut que tu apprennes à faire ça. Parce qu'il faut que tu fouilles sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Tu essaies d'écouter un peu toutes les vidéos pour voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui ne se passe pas. C'est très important. Parce que des fois, quelqu'un peut te donner des conseils et peut-être que tu ne fouilles pas. Peut-être que tu es une personne, tu ne vas pas trop sur les vidéos des autres personnes. Quand tu es une personne que tu attaques des gens, tu attaques des personnalité pour une cause, il faut toujours assurer tes arrières. C'est-à-dire, assurer tes arrières, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut apprendre à fouiller partout aussi, à savoir ce que les gens pensent de toi, ce que les gens disent de toi, qu'est-ce qui se passe. Il ne faut pas seulement faire les vidéos, les balancer. Non, il rentre aussi sur les vidéos des autres personnes. C'est comme ça que tu peux savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui ne se passe pas. Ok, donc ça déjà, c'est pour toi, Johnny Pacheco. Ok, avant que ce problème ne tombe, moi, j'ai fait une vidéo pour toi. Je t'avais dit dans ma vidéo que il faut que c'est quand tu as fait ta vidéo en disant que oui, les gens te menaçaient de faire sortir des choses sur toi concernant ton couple, des trucs comme ça. J'ai fait une vidéo le jeudi qui est passé là, j'ai fait une vidéo. Dans cette vidéo, je t'avais dit que de parler à ta femme. Il faut que tu lui parles. Normalement, quand tu fais ce genre de trucs, tu te bats avec des gens. Tu ne te bats pas avec des animaux. Tu te bats avec des gens. Et ces gens-là, eux, ils vont chercher à te nuire. Donc, quand c'est comme ça, il faut rassurer tes arrières. Te rassurer tes arrières, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vis avec une personne qui n'est pas de la même ethnie que toi, qui n'est pas de la même, des choses, comment on appelle ça, du même continent que toi, qui est une, elle a la peau blanche. Ok, ces femmes-là, elles sont différentes de nous, les femmes africaines. C'est des femmes, il ne faut pas les tromper, et quand elles voient ce genre de bêtises-là, elles croient ça facilement par rapport à nous, les Africains. Tu vois? Donc, je t'avais dit dans cette vidéo, c'était le jeudi que je vais faire la vidéo. Quand je suis rentré de mon travail, je vais faire la vidéo. Dans cette vidéo, je t'avais dit que oui, fais asseoir ta femme. C'est toi qui l'as mariée. C'est toi qui as eu des enfants avec elle. C'est toi qui vis avec elle. Même si tu as fait des bêtises, fais-la asseoir et explique-lui la situation. La femme européenne, quand tu fais des trucs, tu la fais asseoir, tu lui parles. Même si les gens envoient des bêtises, elle ne va même pas considérer ça. Mais tu ne lui dis rien. Et un matin, pouf, elle ouvre son téléphone et elle voit des trucs comme ça. Mets-toi aussi à sa place. Si ça aurait été toi, tu aurais fait quoi? Donc, tu as été négligent. Tu as été très, très négligent.
tu sais que tu t'attaques à des gens et ces gens-là, ils vont tout faire pour te nuire. Alors, essaye de voir, essaye de te préparer à conséquence de ça. Faut pas faire une bataille comme ça dans le vide, non. Donc, bon, je sais que bon, c'est pas quelque chose qui est bien. Ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Mais tu sais, moi, je m'en fous même de ceux qui ont fait ça là. Parce que ceux qui ont fait ça là, eux-mêmes, ils ne savent même pas le service qu'ils t'ont rendu. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que je vais te dire une chose. Ceux qui ont fait ça là, moi, je te dis que la main de Dieu est sur toi. Toi-même, tu es en train de mener un combat. Tu ne sais même pas qui t'a amené dans ce combat-là. C'est Dieu qui t'a amené dans ce combat-là. Mais ces gens-là qui sont en train de te créer des problèmes-là, ils ne savent pas ça. Mais qui maîtrise ce monde dans lequel où on vit? C'est Dieu qui le maîtrise parce que c'est lui qui a créé ce monde. Tu comprends? Donc, je vais te dire une chose, Johnny Pacheco. Ce qu'ils ont fait là, ce qu'ils t'ont fait là, eux-mêmes, ils vont regretter ça. Pourquoi j'ai dit ils vont regretter ça? Parce que c'est maintenant que Dieu même va te préparer. C'est-à-dire, avant même, tu n'étais rien. C'est maintenant même que tu vas commencer. Ça va être dur pendant un petit moment. Ça va être un peu dur. Pendant ça, je ne te le cache pas, ça va être un peu dur, le début, pendant un petit moment, juste un petit moment. Je ne peux pas te dire le temps parce que j'ai prié et Dieu m'a fait des révélations dessus. Ça va être un peu dur pour un petit moment. Mais quand ce moment-là va passer, là, eux-mêmes, ils vont regretter pourquoi ils t'ont fait sortir de chez cette femme-là. Ils vont regretter ça. Parce que là, maintenant même, tu vas devenir plus fort qu'avant. Tu comprends? C'est-à-dire, ils ont fait quelque chose qu'ils ne devaient même pas faire. Tu comprends? C'est comme, je vais te prendre juste une petite histoire que tu vas comprendre. C'est comme Jésus et Satan. Qu'est-ce qui s'est passé, Jésus et Satan? Zida, celui qui a trahi Jésus, Zida est parti trahir Jésus pour des pièces. Pour de l'argent, yes. Les gens, ils trahissent toujours les gens pour de l'argent. Il allait le trahir pour de l'argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Satan a tout fait pour amener Jésus sur la croix, pour que Jésus soit tué. Mais quand Satan était en train de le faire, pour lui, Satan, c'était pour détruire Jésus, non. C'était pour éliminer Jésus même, pour que lui, Satan, il contrôle le monde. C'était dans ce but-là qu'il a tout fait pour que Jésus soit pendu sur la croix. Mais ce que Satan ne sait pas, c'est que Dieu avait un deuxième plan. Tu comprends, Johnny? C'est que Dieu avait préparé un deuxième plan. Et comme Satan ne lit pas dans les choses, comment on appelle, dans l'esprit de Dieu, Satan ne pouvait pas savoir. Le deuxième plan de Dieu, Satan ne connaissait pas ça. Pour Satan, s'il tuait Jésus, c'était fini. Le monde lui appartenait. Et il a mis Jésus, il a tout fait, ils ont mis Jésus sur la croix. Mais quand Jésus est mort, qu'est-ce qu'il a dit avant de mourir sur la croix? Il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus est Dieu. Les gens croient que Jésus n'a pas, Dieu n'a pas. Non, c'est le même esprit. Jésus était sur la croix. Le dernier mot que Jésus a dit, et il a rendu l'âme sur la croix. Il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lui, tout ce qu'ils ont fait là, il a déjà pardonné ça. Parce qu'il sait maintenant qu'est-ce qui va se passer. Ce qui va venir là sera plus puissant que ce qui était là avant. Avant, Jésus était un être humain, donc tu pouvais le contrôler. Mais maintenant, là, tu l'as mis sur la croix, ils l'ont tué. Ils l'ont tué jusqu'à l'amener sur la croix. Il est mort sur la croix. Maintenant, Jésus revient maintenant en esprit. Voilà. En esprit maintenant. Ça veut dire que Dieu contrôle maintenant le monde entier. En même temps, il a son esprit avec toi. En même temps, son esprit est aux États-Unis. En même temps, son esprit est en France. En même temps, son esprit est en Australie. En même temps, son esprit est sur la Côte d'Ivoire. En même temps, son esprit est au Ghana. En même temps, son esprit est partout dans le monde. Tu vois? Et ça, le dernier cri que Satan a lancé,
Satan a commencé à pleurer. Satan a crié, a lancé un cri grave. Il s'est dit, si je savais ce type-là, je n'allais pas le tuer. Tu vois? En tuant Jésus, lui, il pensait que c'était fini. Mais il ne savait pas que Dieu avait un deuxième plan. Même Jésus, même qui partait sur la croix, ne savait pas que Dieu avait un deuxième plan. Donc, Johnny, je vais te dire une chose. Moi, tu ne me connais pas, mais je te dis que moi, je prie et Dieu me parle. Celui qui veut croire, croit. Celui qui ne veut pas croire, je m'en fous. Je sais ce que je dis. Et les révélations que Dieu m'a envoyées là, ceux qui ont fait ça là, ils vont regretter. Ce n'est pas qu'ils vont regretter parce que quelque chose va les arriver. Non, Dieu ne m'a pas dit ça. Ça, ce n'est pas le but de Dieu. Que quelque chose les arrive. De toute façon, s'ils ont une conscience, c'est bien. Mais c'est que toi-même, ils vont te rendre puissant. Ils vont te rendre fort sans même se rendre compte. Ils ont fait une bêtise qu'ils ne devaient pas faire. Parce que tu vas être plus grave maintenant qu'avant. Mais tu vas traverser une petite période de souffrance. Mais ça là, ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va même pas durer 2 mois ni 3 mois. Et tu vas commencer à rebondir maintenant. Et ça, ils vont regretter. Pourquoi on n'a pas laissé ce monsieur-là dans sa maison où il est en train de faire ses vidéos tranquillement? Donc, petit frère, prends ton mal à patience. Car tout ce qui est de Dieu, ça met du temps, ça souffre. Mais quand ça bondit là, personne ne peut arrêter ça. Ça, c'est moi qui te le dis. Ok. Mais la prochaine fois, ne fais plus cette bêtise. Il faut savoir avec qui tu marches. Il faut savoir à qui tu te confies. Il faut savoir où tu mets tes pieds. Même quand tu dis cette femme ne te revient pas et que tu prends une autre femme, il faut toujours la préparer pour ce que tu fais. C'est très important. Il faut la préparer pour ce que tu fais. Ok? Ça, c'est un conseil que je te donne. Que ça soit même elle, si tu retournes avec elle, fais-la à soi, parle-lui tout, dis-lui tout, tout ce qui est caché, dis-lui. Si elle t'aime, elle va te prendre. Si elle ne t'aime pas, tu prends ta route. Et si elle ne te prend plus et que tu rencontres quelqu'un d'autre, quand tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, si elle ne te prend pas et que tu rencontres quelqu'un d'autre, étale tout sur la table, prépare-la. D'accord? Il ne faut pas la mettre de côté, il faut toujours la préparer. Parce que ce monde est méchant. Parce que les gens sont méchants. Parce que les gens sont remplis de jalousie. Parce que les gens sont remplis de haine. Parce que les gens sont remplis de tout ce que tu ne peux pas t'imaginer. Voilà. Nous, la race bêtée, on fait nos palabres. On parle, on fait nos palabres. Mais on n'est pas des gens méchants. On n'est pas des gens méchants. Ok? Et ton ami John, et chose, comment il s'appelle? Dessin animé là, qui a fait ce truc là avec son groupe là. Il faut le laisser avec sa conscience. Laisse-le avec sa conscience. Il ne faut même pas l'en vouloir. Quand tu te lèves le matin de là où tu es là, fléchis genoux et prie Dieu. Mets tout dans sa main. Tout mal qu'ils t'ont fait. Pose tout dans la main de Dieu et demande à Dieu de diriger ta vie. D'accord? C'est tout. C'est tout ce que tu dois faire. Parce que l'être humain est ce qu'il est. Tu ne peux pas le changer. Ok, maintenant, je vais répondre à une vidéo que j'ai vue là. Moi, je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour attaquer les gens. Je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour régler mes comptes. Je n'ai pas de compte à régler avec quelqu'un. Je ne dois personne, personne ne me doit. Je nourris personne, personne ne me nourrit. Ok? Depuis que j'ai quitté la France, je dis la France, j'ai quitté l'Afrique plutôt à l'âge de 14 ans. J'ai toujours travaillé. Je commence à travailler quand j'étais mineur en France.
Je partais à l'école et puis je travaillais en même temps. On ne m'a jamais pris à charge. Moi-même, depuis que j'ai quitté mes parents pour venir en aventure, je ne suis jamais restée derrière un homme pour manger ou pour dormir. OK? Dieu m'a donné mes deux bras. Il m'a donné 10 doigts. Il m'a donné aussi des pieds. Le matin, je me lève, je vais chez mon travail. Je sors de chez moi depuis la France jusqu'à où je suis venu ici. Je me réveille à 6 heures du matin. Je fais ce que j'ai à faire. Je sors de chez moi à 7 heures du matin. Je vais à mon travail. Je reviens à la maison à 8 heures du soir. Je me suffis à moi. Et je m'occupe de ma famille qui est sur la Côte d'Ivoire. Que je peux, ce que je les envoie, ce que je peux leur envoyer. OK? Je ne me prends pas par charge par un homme. OK? Même si je n'ai pas grandi dans mon pays qui est la Côte d'Ivoire et que j'ai grandi en France, même si je ne connais pas la politique, je ne suis pas idiote. OK? Je ne suis pas idiote. Je sais ce qui se passe sur ma terre qui est la Côte d'Ivoire. Je suis née en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas né en France, je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai grandi en France. J'ai quitté la Côte d'Ivoire à l'âge de 14 ans. Je suis rentré en France. Je ne suis pas né dans un pays étranger. Je suis né sur ma terre qui est la Côte d'Ivoire. Je viens de Guibéroua. Je connais mon village. Je connais ma famille. OK? Je sais d'où je viens. Et je sais aussi où je vais. OK? Je n'ai pas besoin d'aller faire des études pour apprendre la politique. C'est comme je n'ai pas besoin d'aller dans les écoles pastorales pour que je sois en contact avec Dieu. C'est Dieu qui m'a créé. Je fais ce qui est bien. Dieu est avec moi. Je fais ce qui n'est pas bien. Dieu n'est pas avec moi. OK? Je n'ai pas besoin d'aller dans une école pour apprendre ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien et pour connaître ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Tu comprends? Ce qui se passe en ce moment dans mon pays, qui est la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. C'est quelque chose qui ne me plaît pas. Voilà. Et si j'avais le pouvoir de changer, j'allais le faire. Mais je n'ai pas ce pouvoir. C'est Dieu seul qui a ce pouvoir. Et ce Dieu-là, je le prie matin, midi, soir. Et je prends des gènes pour que lui, Dieu, il change cette situation qui est sur la Côte d'Ivoire. Tu comprends? J'ai ma famille là-bas. J'ai mes soeurs là-bas. Ils ont des enfants là-bas. J'ai toute ma famille en Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne. Je suis bêtée de Guibéroua. Comprenez? Même si je n'ai pas grandi dans mon pays, ce qui se passe en ce moment dans mon pays, je sais ce qui se passe là-bas. Puisque j'ai ma famille là-bas, je les appelle chaque jour que Dieu fait, je les appelle. Et je sais dans quelle situation ils sont. Chaque jour, je les envoie de l'argent. Chaque deux semaines, je fais des mandats pour qu'ils puissent manger, pour qu'ils puissent être à l'aise. Je sais ce qui se passe dans mon pays. Et moi, je me mets devant ma caméra sur YouTube et je dis que le gouvernement qui est là en ce moment est incapable de diriger la Côte d'Ivoire. Il n'est qu'à dégager. Voilà, c'est ce que moi j'ai dit et je vais toujours le dire. Voilà, et c'est pas quelqu'un qui va m'empêcher de le dire. Parce que c'est mon droit, c'est mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est mon pays. Voilà, s'il y en a qui sont vendus, s'il y en a qui se disent qu'ils ont des nationalités, donc ils se croient, ils se prennent pour des je ne sais quoi, ça c'est leur business. Comprenez? C'est leur business. N'importe quelle nationalité je vais avoir sur cette terre, je sais où je viens. Je sais où je suis quitté. Voilà. Ce gouvernement qui est en place en ce moment-là, il n'est pas bien pour mon pays. Il n'est pas bien pour mes frères et sœurs. Il n'est pas bien pour ma famille. Il n'est pas bien pour toute la Côte d'Ivoire. C'est ce que moi j'ai dit. Je n'ai rien contre M. Alassane. Je ne connais pas M. Alassane. M. Alassane ne me connaît pas.
Il est venu s'imposer sur mon pays pour dire qu'il veut gouverner mon pays. La seule chose que moi je lui demande, c'est de bien gouverner mon pays, c'est de gouverner mon pays dans le droit chemin. Parce que j'aimerais bien que mon pays soit comme les pays dans lesquels où moi je vis. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire a tout pour être bien. La Côte d'Ivoire a tout. Voilà. Moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire autant de fouettes. Je sais comment j'ai laissé mon pays. Et si mon pays n'est plus comme ça, si mon pays est dégradé aujourd'hui, si mes frères et sœurs, mes enfants, mes parents, ma famille meurent en Côte d'Ivoire là-bas, ce n'est pas un individu qui va passer sur YouTube, je ne sais où il se trouve, qui va venir me faire des leçons, moi, pour dire qu'il y a des gens même qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, ils disent qu'ils font des politiques. Moi, je suis ivoirienne. De mes racines jusqu'à maintenant, je suis ivoirienne. Mais mes enfants, peut-être non, parce que j'ai épousé un étranger et ils ne sont pas nés en Côte d'Ivoire. Mes enfants ne sont pas nés en Côte d'Ivoire. Eux, ils sont nés dans ces pays où je suis. Mais moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Comprenez? Donc, la personne qui a dit ça, là, quand elle va voir ma vidéo, là, elle va se reconnaître là-dedans. Moi, je ne passe pas sur YouTube pour vos enfantillages que vous faites sur YouTube. Là. Je ne suis pas dedans, moi. Comprenez? Je ne suis pas dans ce bordel que vous faites sur YouTube là. Hey, c'est pas moi. Je ne suis pas dedans. Comprenez? Celui qui passe sur YouTube, il fait son business sur YouTube. Il dit ce qu'il a dit. C'est son problème. Moi, je n'attaque personne. Celui qui aime Alassane, il aime Alassane. Celui qui aime Gbagbo, il aime Gbagbo. Celui qui aime Bédier, il aime Bédier. Celui qui aime, je ne sais quoi, Soro, il aime Soro. Ça, c'est le business. Chacun a ses problèmes. Moi, mon problème, qu'est-ce que mon pays est mal. La Côte d'Ivoire est malade. Il faut que ce pays-là se soigne pour que mes parents, ma famille qui est là-bas, puissent être bien. Pour que mes frères et moi-même qui sommes en aventure, on prend notre valise, on dit on va en vacances pour qu'on soit bien dans notre pays et qu'on retourne. Et que même si on n'a plus envie de retourner, qu'on s'installe chez nous parce que c'est notre pays. Moi, c'est ça qui est mon problème. Si Alassane fait des bonnes choses, je n'ai pas le droit de me mettre devant une caméra pour parler de lui. Mais s'il ne fait pas de bonnes choses là, c'est mon droit en tant qu'une Ivoirienne. C'est mon droit en tant qu'une Ivoirienne. J'ai le droit de dire ce qui ne va pas dans mon pays. J'ai le droit de parler de la personne qui dirige mon pays mal. J'ai ce droit là. C'est mon droit à moi. Dans la loi, c'est mon droit. Vous comprenez? C'est mon droit à moi de crier que mon pays va mal, que la personne qui est là est mauvaise, que la personne qui est là est fait n'importe quoi. C'est mon droit à moi. Vous comprenez? Voilà. Donc, la personne là qui a dit que oui, il y a des gens qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire et qui rentrent dans la politique. Là. Mon frère, la Côte d'Ivoire, là, c'est mon pays. Je suis bêté de Guibéro. Guibéro, elle a fait partie de la Côte d'Ivoire. D'accord? Ok. Je suis né en Côte d'Ivoire. Quand ma mère était enceinte, elle a poussé là. Quand j'ai fait « Hein !» Quand j'ai pleuré, mon premier cri que j'ai lancé là, dans le monde que Dieu a créé, là, c'était sur la Côte d'Ivoire. C'était pas une aventure. D'accord? Voilà. Et celui qui est là en ce moment-là, tant qu'ici ne change pas, là, que j'ai le temps là, je place ma caméra devant moi et je dis ce que j'ai envie de dire. Et il n'y a personne qui va m'empêcher de dire ce que j'ai envie de dire. Ok? Il n'y a personne qui va m'empêcher. Personne. Parce qu'il est venu. Il veut gouverner la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à bien gouverner la Côte d'Ivoire. Il y a trop de crimes sur la Côte d'Ivoire. Les enfants sont tués. Ces enfants-là qui sont tués là, qui les tue? Qui les tue? Si ce n'est pas lui, son gouvernement, qui tue ses enfants. Si ce n'est pas lui-même qui sacrifie les enfants des gens. Et je suis en train de parler de ça et vous parlez de n'importe quoi. C'est pas sur moi, là. C'est pas sur moi, là. Hey!
Non, 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 non. Enfantillage que vous faites sur Internet, là, faut même pas que ça arrive. Sur moi, là, on ne se connaît pas. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Je n'ai même pas envie de vous connaître. Moi, je viens sur Internet pour défendre une cause. Voilà. La cause, c'est quoi? La cause, c'est que mon pays va mal et j'ai mal. Voilà. Les Français, les Américains, les Allemands, les Anglais, les Chinois, n'importe où. Quand les pays vont mal, là, ils se mettent dans les rues avec des panneaux. Ils crient. Et moi, si je ne peux pas me mettre dans les rues avec des panneaux pour crier, là, je crie devant ma caméra. Et celui qui va m'attendre, va m'attendre. Et s'il y a une occasion de se mettre dans les rues pour crier, là, je vais me mettre dans cette occasion-là. D'accord? Je ne vais même pas me gêner, je vais me mettre. Je serai même peut-être au devant même de cette occasion. Parce que mon pays va mal. Tu comprends? Moi, je m'en fous. Tu comprends? Je m'en fous. Et tout ce qui est sur la Côte d'Ivoire, moi, je l'ai toujours dit. Moi, je suis une personne, je suis la vérité. Je ne suis pas dans le mensonge. Vous comprenez? Je ne suis pas, je parle à la personne qui s'est adressée à moi. La personne va se connaître si elle voit ma vidéo. Je ne suis pas dans les mensonges. J'ai toujours dit dans mes vidéos que ce bordel-là qui est venu, qui se passe sur la Côte d'Ivoire et à l'ensemble en train de terminer là, c'est Gbagbo qui a commencé ça. Voilà, c'est lui qui a commencé ça. Il y a beaucoup de choses que Gbagbo a fait, qui a fait aujourd'hui que la Côte d'Ivoire va mal. J'ai toujours crié ça. Moi, que tu sois bêté, que tu sois de l'Ouest, que tu sois n'importe où, si tu fais des bêtises là, je te dis, dans ma famille, tout le monde me connaît pour ça. Tout le monde me connaît, même mes enfants, même ils me connaissent pour ça. Moi, je ne suis pas là pour jouer avec du n'importe quoi. Quand c'est rouge là, moi, je dis c'est rouge. Quand c'est noir là, je dis c'est noir. C'est comme ça que moi, je vis. Même moi, même quand je suis en faute là, et que je m'assois, je réfléchis, je me dis non, ça, je ne devais pas faire ça, j'ai fait ça. Je vais, je demande pardon. Moi, c'est l'éducation que mes parents m'ont donnée. De 0 mois jusqu'à 14 ans avant que je ne les quitte pour aller en aventure. Et quand je suis partie en aventure, je ne me suis pas perdue. Parce que si je m'étais perdue là, j'allais me marier avec un blanc. J'allais me marier avec un blanc. J'ai eu plein d'occasions. Mais je ne suis pas perdue. Je sais d'où je suis. Je sais où je suis quittée. Et je sais où je vais. OK? Voilà. Tout ce que j'ai eu là, j'ai eu ça par la bonne voie. Par la voie. Par une voie droite. Tout ce que j'ai eu dans ma vie, là, j'ai eu ça par la bonne voie. D'accord? Ok. Donc, avant d'attaquer là, il faut réfléchir deux fois. On ne se connaît pas. On n'a pas joué, on n'a pas élevé le cochon ensemble. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Reste dans ton coin, mène ton combat et moi, tu me laisses faire ce que je suis en train de faire. Ok? Voilà. Moi, je ne suis pas là pour défendre ce qui n'est pas défendant. Non, 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 non. Je ne vais pas prendre des péchés. OK? Alassane ne fait rien de bon, il ne fait rien de bon. OK? Gbagbo ne faisait rien de bon. Mais au temps de Gbagbo, là, c'était un peu mieux que par rapport au temps de Bédié. D'Alassane. Je ne dis pas que Gbagbo a construit des choses. Non, Gbagbo n'a rien fait de bon. Mais au temps de Gbagbo, là, tu pouvais prendre ton billet et puis aller visiter ta famille et puis revenir sans problème. Mais à ce temps-là, où on est là, s'ils attendent, quelqu'un attend même dans le quartier que tu viens des grands pays là, ils vont venir même t'attaquer, te tuer même parce qu'ils se disent dans leur tête que tu as l'argent. Pourquoi? Parce que eux tous, ils ont tout le pays affamé. Donc c'est un danger, le pays même est en danger et tous les gens qui vont dans le pays, ils sont en danger. Même ceux qui vivent là-bas, même des fois quand je suis là, je me demande comment ils arrivent à vivre là-bas, avec tout ce qu'on voit. Comment ils arrivent à vivre là-bas? Des fois, j'ai de la peine pour ma famille, j'ai de la peine pour les Ivoiriens. Parce que je me demande comment ils arrivent à vivre dans un bordel pareil. Alors, s'il y a certaines personnes qui disent que oui, que c'est bien, tout ce qui se passe, c'est bien, ça, c'est leur problème. Ça, c'est leur problème. Mais moi, je ne suis pas une idiote. Je sais ce qui est bien et je sais ce qui n'est pas bien. D'assez. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir me rencontrer des petits. Et personne ne va me faire des menaces. Non!
Je refuse ça. Je ne suis pas là pour qu'on me fasse des menaces. Je ne suis pas là pour qu'on me fasse des menaces. Vos bêtises sur Internet, là. Regardez bien le visage de ceux qui vous allez faire ça. Moi, je ne viens pas sur Internet pour des conneries. Je viens sur Internet pour crier que mon pays va mal. Voilà. Ceux qui sont là, s'ils ne sont pas capables de gouverner le pays et qu'ils sont là pour commettre des crimes et qu'ils sont là pour maltraiter le peuple ivoirien et qu'ils sont là pour vendre tout aux étrangers sur la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à dégager. Voilà. Le pays ne les appartient pas. Voilà, ça appartient, c'est un pays qui appartient à tout le monde. Le pays n'appartient pas à la SAMSE. Le pays n'appartient pas à RDR. Voilà. RDR, c'est chose, comment on appelle ça? C'est comment on appelle ça? C'est un parti politique. Voilà, ça n'appartient pas. RDR, la Côte d'Ivoire n'est pas pour RDR. Alors, ils sont venus au pouvoir par les armes et que la France les a déposés là pour leur intérêt, quand ils servent la France là, ils doivent servir aussi le peuple ivoirien. Quand la France est à l'aise là, le peuple ivoirien doit être à l'aise. Alors, les personnes qui disent que oui, c'est celui qui est au pouvoir qui a gagné. Si c'est comme ça que vous voyez, ça c'est votre business. Chacun a ses problèmes. Vous comprenez? Voilà. Nous, on sait ce qui s'est passé. On sait pourquoi on est sur Internet. On sait pourquoi on crie. Voilà, moi, mon pays va mal. OK? Mon pays va très, 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 très mal. Et j'ai mal chaque jour que Dieu fait, j'ai mal pour la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire ne mérite pas tout ce qui est en train de se passer. Que ça soit Gbagbo, que ça soit Lassane, que ça soit Bédié, que ça soit tous ces groupes-là, ils n'ont qu'à dégager de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a personne qui est bien pour la Côte d'Ivoire. Eux tous, ils sont pareils. Ils sont tous pareils. Il n'y a pas un qui est bien. Il faut que quelqu'un de neutre vienne sur la Côte d'Ivoire pour gouverner la Côte d'Ivoire. C'est ça, moi, mon souhait en ce moment. Alors, vos bêtises que vous faites sur Internet, là, vous ne me connaissez pas. Je ne vous connais pas. Laissez-moi tranquille. Comprenez? On n'a pas élevé la cochon ensemble. Voilà. On n'a pas élevé la cochon ensemble. Comprenez? Voilà. Quand je place ma caméra devant moi, là, je sais pourquoi je place ma caméra devant moi. Quand je place ma caméra devant moi, là, c'est pas pour parler de quelqu'un. C'est pour parler de mon pays. Mon pays est mon droit. Mon pays, la Côte d'Ivoire, est mon droit. OK. Et c'est pas un individu qui va m'enlever ça. OK? J'espère qu'on s'est bien compris. N'importe quoi.